اخواني الاساتذه اعزائي التلاميذ اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي سنحاول من خلاله ربط تواصلنا بكم من اجل ان نتبادل الافكار والتجارب ونفيد بعضنا البعض فتحيه لكل التلاميذ في جميع الثانويات المملكة ونتمنى لكم التوفيق في الدراسة إن شاء الله Alors, اليوم بطبيعة الحال غادي نشوفو واحد المجموعة ديال لي كيسيون اللي غتساعدنا باش أنتيغون وكذلك غادي نحاولو بيان نعطيكم واحد المجموعة ديال الأسئلة اللي تترجع وتنلقاوها تقريبا في جميع الفروض ou j'ai mis le petit hand donc questions réponse ou pour aller des questions récurrentes il y a des questions des questions récurrentes la récurrence il y a la répétition de au devoir et à l'examen et voilà on passe à la première question donc la première question c'est quelle est l'époque de l'action bien sûr on parle d'antigone Antigone est une histoire ancienne, très ancienne, donc c'est la Grèce antique, à al qadim Donc le Khessa Ardiv. Alors, deuxième question, quel est le genre de la pièce? Alors, le genre de la pièce, bien sûr, est une tragédie moderne. Donc le genre de la pièce est une tragédie moderne. Troisième question, quelle est la date de présentation? C'est-à-dire, quelle est la date? Où il a été joué pour la première fois, Sena, lit Bethuel et 1944. Euh, question 4 quel est le type de texte dominant Donc, dans Antigone, il y a un type de texte dominant, c'est le texte argumentatif, et bien sûr en France, elle est étudiée en tant que œuvre argumentative. Et bien sûr, ça sert à étudier l'argumentation. Question 5. Quelle est la date d'écriture d'Antigone Donc, il y a une date d'écriture, c'est 1942. 1942. Alors, pour la question suivante, quel est le registre dominant de la pièce Alors, attention à ce mot-là, le registre. Je crois qu'il y a. Trois mots synonymes et chaque professeur utilise un mot différent. a le registre, a la tonalité ou a le temps. Donc il y a le registre de texte ou la tonalité. Ok, il y a le registre de langue ou le niveau de langue. une langue soutenue ou une langue courante ou une langue familière. Donc il a le registre, c'est la tonalité. La tonalité dominante dans Antigone, bien sûr, c'est la tonalité tragique, puisqu'il s'agit d'une tragédie. Question 7. Pourquoi parle-t-on d'une écriture moderne de la pièce Qu'est-ce qui fait que c'est une écriture moderne de la pièce C'est -ce bien sûr la présence. On parle d'une écriture moderne, car il y a des anachronismes. Ratguli Ashnouma, les anachronismes. Peut-être certains professeurs vous ont expliqué le mot peut-être non. Alors les anachronismes, madame le professeur, de l'héllénique. Et donc les choses qui sont les a utilisé dans les mosaïques, qui s'appellent des anachronismes. Il y en a anachronismes. Par exemple, qui est les sandales, qui est la robe, qui est le rouge à lèvres, qui est la glace qui okay, les boucles, etc., etc. donc la liste est très longue le donc les question 8, comment se présente la scène d'exposition alors, comment se présente la scène d'exposition donc, il y a une scène d'exposition il y a la scène du prologue et donc, elle se présente sous la forme d'un récit qui est alors, sous forme d'un récit, il y a, eu un, il y a eu un, les personnages. Question 9, quel est le lieu de l'action? Alors, le lieu de l'action, c'est bien sûr le palais de crayon. Donc, c'est le palais de crayon. Question 10, quels sont les personnages principaux? Alors, bien sûr, les personnages principaux, il y a Antigone. C'est la ruine tragique qu'a créé le roi, qu'il y a Ismaël qui ou qu'il y a l'amant le Pourquoi Polynice et Éthiocle se sont-ils entretués Alors, pourquoi Polynice et Éthiocle se sont-ils à cause du trône laissé par leur père, à cause du trône laissé par leur père ou le trône roi à lâche. Aujourd'hui voilà je vous le dis. Alors pourquoi le corps de Polynice ne doit-il pas être recouvert de terre? L'échec de Polynice, le le frère d'Antigone, parce que Shitfen, l'échec, le roi a interdit mener l'enterrement de Polynice. Parce qu'il est considéré comme un traître. Alors, traître, il y a Donc, c'est un traître. Question 12. Quel est le lien familial entre Antigone et Crayon? Là, la il y a Antigone et Créon. Bien sûr, Antigone est la nièce de Crayon. Donc, la nièce, et donc nièce, il y a la nièce. Antigone est la nièce de Créon. Alors question 13, quel est le point commun entre Sophocle et Anouis Ce qu'on a de Sophocle, c'est un dramaturge grec. Et où je savais même bien Sophocle ou Anouis il y a la pièce Antigone. Donc Antigone, c'est quoi Sophocle le il le Ou c'est Jean Anouis. Donc, là, justement, moi je Antigone de Antigone. La pièce de théâtre intitulée Antigone. 14. Intitulée qui sont les parents d'Antigone Je connais les parents d'Antigone. Alors, qu'est-ce qu'Edippe Il une Oedipe, ou bien sûr Jocaste, sa mère. Donc, qu'est-ce Édipe qu ou qu'est-ce Jocaste? Qu alors, je, Oedipe, c'est le père, ben, Jokas, c'est la mère. Alors, 15, qui sont les frères et sœurs d'Antigone, Alors, il y a euh, dans l'ensemble quatre enfants, deux filles et deux garçons. Alors, pour les frères, qui sont et Polynice, donc qui et Polynice, auquel Aucune de filles, juste net, qui a Ismène, Antigone, bien sûr à Antigone, donc deux garçons et deux filles dans la famille de Oedipe. Que fait Antigone, qui est pourtant punissable de mort Pourquoi fait-elle Donc punissable, y en est, a sauf à toi, à punissable, jette le verre, punir. Alors, que fait Antigone, qui est pourtant punissable de mort, pourquoi fait-elle? Le fait-elle? Alors Antigone, je ne date, veut euh, enterrer son frère par devoir. il Donc c'est un devoir familial. Alors, enterre son frère par devoir. Pourquoi euh, As-tu tenté d'enterrer ton frère Je le devais. Donc, c'est un devoir. Ouais, Question suivante. Qui a enfreint l'interdiction Enfreindre. C'est braver. Qui a enfreint C'est le verbe enfreindre. Il y a bravé. Alors, l'interdiction, combien de fois Antigone, lui. Donc, c'est Antigone qui a enfreint. L'interdiction deux fois. Huit. Qu'a-t-elle utilisé pour creuser la terre? Alors euh, bien sûr, la première fois, il a utilisé. Alors la première fois, elle est sortie à l'aube, donc le mavalou la Alors à l'aube, donc à l'aube Elle a utilisé une petite pelle. Starlet balance rewa, bala. Petite pelle de Polynésie. Rattraja à midi, Rattraja à midi, ma rostna, et les retournaient près du cadavre et ne trouvant plus cette pelle, malkach la pelle, besh ratfe, fe, Donc il va utiliser ses mains. Donc le marat fait la la petite pelle, le marat fait fête, bidia. Question 18. Au nom de quelle loi? Antigone conteste-t-elle l'autorité de crayon? Donc, je crois que Antigone, avant le canon a, le canon dit le crayon, le quoi? Le canon, la loi divine, la loi divine. cest je Allah, donc, le Coran, de la à Allah sait donc d'oeufs ou à canon c'est une loi divine est divin j'étais Dieu. l'adjectif li gens mais dieu ou divin Donc il l'élection dieu alors l'adjectif li jammes Dieu noah divin ou le féminin ou divin question 18 qui a surpris l'infraction ce que

en assumant toute la responsabilité. Donc, il a avoué en assumant toute la responsabilité. Alors, le roi cherche à la sauver. Que lui propose-t-il Alors, lorsque Antigone a été arrêté par les gardes, Créon lui a proposé une solution pour la sauver. Il a tué. Il lui propose de faire disparaître, de tuer les gardes. Tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira, raconte-toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Il y a 21. A-t-elle accepté son aide Pourquoi Bien sûr, Antigone n'a pas accepté. Pourquoi Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi Car elle est obstinée, têtue. Elle pourquoi Puisque vous savez bien que je recommencerai. Alors, Radin 22. Qu'a utilisé Crayon dans sa stratégie pour convaincre et persuader Antigone Donc, je Alors, à bout d'arguments. Il des arguments. Il y a 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 des arguments à bout d'arguments, il a utilisé la force à ah, la deuxième stratégie, il a utilisé l'un et l'histoire de la trahison de ses deux frères donc il a trois stratégies sont, premièrement les arguments Marthage Natija, radidouze la force Marthage, la force, Natija, radidouze l'histoire de la trahison le dit le polynice au Éthiocle à quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? Alors, par à être enterrée vivante. Elle est condamnée à être enterrée vivante. Elle est condamnée à être enterrée. Alors, question 24. « De quelle façon Antigone meurt-elle? Alors, mli Antigone s'est pendu. Chankat ça Donc Antigone se pend. Il y a Question 25. Comment on, on qualifie-t-il le geste d'Antigone? Je ne le geste. Le geste, ouah, jeter de la terre sur alors, jeter de la terre sur euh, Polynice. Donc, long terme. Alors, il le qualifie d'absurde. C'est un geste absurde. Il y a ni du temps, il y a ni il y a ni le non-sens. Alors question 25. Quelle est la fonction du cœur Je connais où est le cœur. Je ne Alors il représente le peuple de Thèbes. Le peuple de Thèbes. Alors qui intervient pour ponctuer les tournants dramatiques de la pièce Alors

Alors pourquoi Créon est obligé de faire tuer Antigone Bien sûr, Créon est le roi, mais à un certain moment, il ne peut plus la sauver. Ma Il ne peut pas, il peut rien faire. Alors, bien sûr, parce que son geste est connu, bien Antigone a bravé la loi, car tout le monde sait qu'elle a bravé la loi. J'ai la question 29. À qui compare tel crayon pour se moquer de lui Donc, pour se moquer de lui. Et le pousser à appeler ses gardes Antigone le traite de co cuisinier. Donc, elle le traite de cuisinier. Quel est le dénouement de la pièce alors, le dénouement ou à la fin, le c'est la mort d'Antigone, d'Aimant et d'Eurydice. Donc, à lettre, il y a trois motos, Antigone ou euh, Eurydice ou Aimant-Eurydice. Pourquoi on fait ça Parce que la mort d'Antigone Antigone, la la mort d'Aimant ou la mort d'Aimant est la cause la mort d'Eurydice. Alors, Eurydice, Aimant est ou Eurydice, il y a une une, Eurydice est l'homme d'Aimant. Donc, il y a un homme alors comment meurt aimant et eurydice. Je ne sais pas donc chansons Antigone, c'est non pas cela je vous d'abord aimant et eurydice alors aimant alors eurydice se tranche la gorge je connais, la eurydice. je connais eurydice la femme de crayon et la mère d'aimant.

alors, bien sûr, chez les Grecs anciens, qu'en est-il de ma thérapie Donc, à quoi était condamné un défunt privé de sépulture Alors, la sépulture ou l'enterrement Dans la Grèce antique, son âme erre éternellement sans jamais trouver de repos. Son âme va errer sur terre sans jamais trouver le repos. Alors 33 quel est le bonheur selon Antigone Alors Antigone et Créon ne partagent pas la même conception du bonheur. Alors vu l'âge, Hiasrèn ouais bien sûr il est vieux donc est-ce qu'ils ont le même la même conception du bonheur là Donc Antigone elle voit que le bonheur et le fait de vivre ses rêves d'enfance et de jeunesse. Alors, 39, que fait Créon après la mort de Rédis Que fait Créon après la mort de Rédis, démon et d'Antigone Il va continuer son travail, il va assister à un conseil.

donc, la foule a attaqué le palais pour réclamer la punition du coupable. Euh, réclame, il y a demande du Que demande Antigone à Ayman avant de rompre les fiançailles Bien sûr, Antigone, je crois qu'il lui a demandé de ne pas poser de questions. Alors, il lui a demandé et lui demande de ne pas poser de questions. Ça veut dire il ne peut il ne veut pas lui donner d'explications. Ma chi Quel personnage reste en scène ou là sur scène à la fin de la pièce que signifie ce détail? Je connais mal les personnages ai dit, Ou j j ai dit. Alors, les profleurs pour Je Alors, a des de les gardes Les gardes, car ce qui est arrivé à la famille royale ne les concerne pas. Question 138, que fait aimant avant de se tuer Que fait aimant avant de se tuer Schneider, Il crache sur le visage de son père. Et 139, qu'a donné Antigone au garde Pourquoi Donc, lorsque Antigone est resté seul avec le garde, il lui a donné quelque chose et pourquoi la bague ou pour qu'il écrive une lettre à aimant donc il lui a donné une bague d'or pour qu'il écrive une lettre à aimant et on passe aux questions récurrentes dans les devoirs et à l'examen bien sûr qu'est le titre

il est un golo une tragédie moderne. Il y a dans le genre théâtral. C'est un golo tragédie moderne. Alors il y a galina le dramaturge. Je connais a le dramaturge? Mais c'est l'écrivain. Alors pour le théâtre, c'est un il l'auteur dramatique ou là le dramaturge. Bien sûr, on a un le Jean Anouilh. Alors peut-être Anouilh ou peut-être Anouil. Date d'écriture, vous la connaissez très très bien, il y a al 1942. Alors le siècle, c'est le 20e. 20e siècle. Alors elle est l'époque de l'histoire ou à l'époque des événements. Il est égal que l'époque de l'histoire ou Il l'époque des événements la Grèce antique, il la L'Antiquité grecque Donc, la Grèce antique la L'Antiquité grecque. l'époque d'écriture, c'est le XXe siècle. Ou, oh, bien sûr, la date et lieu. De naissance, bien sûr, de l'auteur, euh, du dramaturge, en 1910 à Bordeaux. Date et lieu de mort, de la mort, en 1987 à Lausanne. Puis, à Lausanne, a la Suisse. Et, bien sûr, on vous demande parfois de citer une ou deux œuvres du même dramaturge. Donc, c'est qu ce qu'on a fait, le voyageur son bagage, Moussa Fion Bidoni Antiya, auquel okay, le bal des voleurs, l'axette Allosos, auquel okay, la sauvage, al Mutawahisha. Hisha, okay, auquel Eurydice, bien sûr, l'Ilia, la femme de crayon, Taïd Avella, une pièce de théâtre. Voilà, j'espère que vous avez pleinement profité de cette séance. Rendez-vous la prochaine fois avec des, la lecture et avec bien sûr des examens régionaux. Inama Aja imin kumjemir, al-musharakah la ntaq wasi. Ou t'as laissé un des détails dans la commande. Qu'as-tu écrit ou كل واحد جاء شكرا لكم السلام عليكم